Ça va démarrer. Donc bonjour à toutes et tous. Il n'y a pas beaucoup de garçons, j'en vois quelques-uns au premier rang. Bonjour, bonjour. Alors, j'ai appris aussi dans cette période de crise sanitaire à parler en même temps à ceux qui sont en présentiel et à ceux qui sont en distanciel, qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc ce qu'on appelle maintenant le bimodal, savoir parler à des personnes physiquement présentes et des personnes digitalement présentes. Donc je me présente Yves Inkin, je suis le président du groupe Thalys. Alors, pour ici, puisqu'on est dans la salle de Accor Alternance. Accor Alternance fait partie de la grande famille Thalys. De l'autre côté, dans le même campus, vous avez Thalys Business School. Ça appartenait à une famille de 4000 étudiants sur 8 campus. Et les cousins sont sur les campus de Bergerac, de Bordeaux, de Périgueux, de Bayonne et Paris. Pour le moment, parce que d'autres nous rejoindront prochainement. Donc, bienvenue chez vous, j'ai envie de dire. Et pourquoi on se retrouve aujourd'hui ? Alors, je vais vous expliquer en quelques lignes pourquoi on se retrouve aujourd'hui. C'est la première masterclass qu'on a souhaité, en tout cas inaugurer, avant de vous libérer pour les congés, ce qu'on appelle une masterclass. L'idée est de construire sur l'exercice courant et l'exercice futur une quinzaine de masterclass avec des gens, comment dire, inspirants, des femmes, des hommes qui ont vécu des expériences. Samantha, ici présente, pourra vous en parler. Et Sarah, que j'excuse, qui va arriver, mais elle découvre les joies des bouchons parisiens. Vous avez remarqué, depuis 15 jours, c'est devenu un peu plus compliqué sur Paris. Voilà, le métro est un peu plus plein, le RER aussi. Et même moi qui suis en scooter, c'est un peu plus compliqué d'arriver à l'heure. Je suis arrivé à l'heure, contrairement à l'amie Sarah, mais bravo pour Samantha. Donc une masterclass, c'est quoi ? C'est des gens qui ont un parcours de vie, selon nous, les équipes d'Accor Alternance et de Thalys Business School, inspirant, un parcours typique ou atypique, en tout cas des gens qui s'engagent. Donc c'est vrai que vous suivez les uns et les autres, BTS, Bachelor, Master. Je pense que c'est toujours aussi intéressant, constructif, de faire des rencontres. Voilà. Donc ici à mes côtés, bientôt va nous rejoindre Sarah, Samantha, qui fait partie des belles rencontres que j'ai eu le droit de faire. Tu vois, pour une fois, je vais essayer de ne pas te faire sourire tout de suite, on va y aller par étapes. Qui a un parcours de sportif de haut niveau, mais également un parcours ou un engagement sociétal, un engagement dans l'entreprise, que tu pourras nous compter. Donc l'idée est très simplement de vous présenter physiquement aujourd'hui, cet après-midi, donc sur le campus de République, mais également donc en mode digital avec tous les réseaux sociaux que vous connaissez mieux que moi, comment demain on peut se construire une vie, comment on peut s'engager. Il n'est jamais trop tard pour s'engager. Et je pense que quelque part, la vie que vous allez vous construire après la formation, elle sera aussi riche des rencontres que vous ferez. Et en tout cas, notre challenge, notre proposition, c'est de faire en sorte que vous fassiez de belles rencontres en dehors de ce que vous vivez déjà sur le campus, mais par rapport à des gens qui, demain, ou des femmes qui peuvent éventuellement vous donner des idées ou en tout cas vous aspirer, vous embarquer. Alors, seront à nos côtés. Alors, c'est là où je commence à me rendre compte que je vieillis un tout petit peu. Il me faut des notes de temps en temps. Donc, je vais d'abord présenter Sarah, comme ça on gagnera du temps avant qu'elle arrive. Donc, Sarah Swalili, qui a 28 ans. Je pense qu'elle a même 29 maintenant. Donc, il ne faut pas que je me trompe sur ce qu'elle fait. Aujourd'hui, donc, elle est collaboratrice donc, dans un OPCO qui finance tout ce qui est formation, qui s'appelle ACTO. Elle a son doctorat de droit et est présidente d'une fondation qui s'appelle Agir avec Sarah Swahili. Enfin, le vrai sujet, et c'est pourquoi on l'a fait venir, elle est championne du monde de kickboxing. Je réinsiste, ça calme un peu le jeu. Championne du monde de kickboxing, c'est celle qui n'est pas encore arrivée. Ne vous inquiétez pas, je la connais bien aussi, donc je la chambrerai comme il se doit par rapport à son retard. Championne du monde de juste kickboxing. Juste une petite précision, si tu veux bien, Yves, pour ceux qui ne connaissent pas le kickboxing. Ah oui. Donc, c'est une activité de pieds-poings. Donc, pieds-poings, et on rajoutera aussi les genoux, parce que je crois qu'elle en fait aussi du K-1 Rules. Mais là, en l'occurrence, c'est pieds-poings uniquement.
Voilà. Et en même temps, comme elle s'ennuyait, elle a été championne de France de karaté semi-contact. Alors moi, je n'ai pas appris ce que c'était que le karaté semi-contact, mais ce dont je me souviens, c'est ce qu'on appelle parfois aussi du karaté KO. Exactement. Voilà. Donc là, ça rigole plus. Première étape. Mais elle n'est pas venue seule, Sarah. À mes côtés, ce n'est pas la tenue dans laquelle j'ai l'habitude de la voir, Samantha. Samantha a aussi 28 ans et quelques. C'est non, bien, pas du tout. deux titres de championne du monde en grappling. Alors, je ne suis pas spécialiste du grappling et kickboxing. Combattante pro, alors ça me plaît un peu plus. Moi, en tout cas, j'ai regardé de temps en temps, de MMA. Oui. Oui, ça ne se voit pas comme ça, mais elle, oui. Championne du monde de MMA. Donc, quelque part, ça peut déjà vous interroger. Et au-delà du parcours sportif, ce que je vous propose de faire et d'échanger, c'est comment, d'un engagement sportif, une capacité à se dépasser, on peut aussi se construire une carrière professionnelle, un engagement citoyen et tout ce qui va derrière. Alors, il faut que je fasse aussi une confidence. Cette femme est la seule qui m'ait fait m'évanouir. Au sens propre. Au sens propre. À travers donc une prise qu'on appelle un étranglement. Un étranglement arrière, oui. Un jour, j'avais eu une bonne idée, c'était de proposer à mes directeurs dans mon ancien boulot une petite session d'une demi-journée avec Sarah et Samantha. J'ai beaucoup appris sur moi-même. Quand tout d'un coup, vous voyez partir, les yeux partent en arrière, et que vous dites, oh, vous avez vu comment je suis fait. Je lui en mets quelques-uns des kilos. Je ne pensais pas ça possible. Donc je garde un souvenir ému de notre rencontre, mais j'insiste et j'en prends l'engagement, je prendrai ma revanche. Je suis têtu. C'est ce qu'il croit, mais bon, je le laisse un petit peu imaginer. Voilà pour les présentations. Donc, par contre, moi, ce que je veux bien, pour commencer un petit peu les questions et un peu notre sujet de cet après-midi, le grappling, moi, je ne sais pas ce que c'est. MMA, ah ouais. je sais. Alors, juste un truc, faudra re-regarder après, quand vous serez rentré chez vous sur les réseaux sociaux, les quelques combats, on aura peut-être quelques images à vous présenter. Ce qui m'a fortement marqué, avant de revenir sur la question du grappling, chez Sarah et chez Samantha, c'est tout d'un coup le changement de posture. Et ça aussi, ça nourrit aussi professionnellement, quand tout à coup, elles sont en posture de combat. Les yeux, le corps, c'est plus du tout la même chose. Moi, je l'ai vu chez les deux, et c'est vrai que ça m'a marqué, et ça note aussi un tempérament, un caractère, un engagement, une capacité à pousser les choses, ou en tout cas à se dépasser, qui m'avait personnellement marqué. C'est plus les mêmes femmes, quand tout d'un coup, elles sont sur le ring, que le gong a sonné, et on y va. J'étais en particulier marqué par ton dernier combat sur Marseille, ça c'est autre chose. Donc le grappling, c'est quoi ? Alors, le grappling, en fait, c'est un art martial. On commence debout, donc on salue son partenaire, et on doit essayer de mettre la personne au sol, de la contrôler, et bien évidemment de la soumettre, donc soit par des clés, souvent des clés articulaires, donc ça peut être les coudes, les talons, les chevilles, ou des étranglements. Voilà, il n'y a pas de, y a là, pas de frappe plus, hein. Et il n'y a pas de pied-point. C'est vraiment un début de phase de lutte et ensuite des soumissions. Voilà. Alors, je me permets un compliment. Comment une jeune et jolie femme choisit ce genre d'activité sportive ? Pourquoi alors, le grappling ? Pourquoi le MMA ? Comment ce chemin se fait ? Alors moi, personnellement, j'ai choisi la voie du MMA et du grappling parce que j'aime aller au contact. Donc je pense que c'est ce qui fait aussi la richesse dans mon métier aujourd'hui, puisque je suis formatrice. Donc j'aime le relationnel avec les gens, j'aime aller vers les gens et surtout, j'aime bien aller, je dirais pas chercher la bagarre, mais délier un petit peu les problèmes ou les blocages que les gens peuvent avoir. En quelques lignes, le parcours que tu as suivi sur ta carrière professionnelle, parce que parfois c'est des combats longs, mais c'est souvent des combats très, très, très courts. Comment on passe les échelons ? Comment on se construit une carrière ? Comment on arrive un jour à être championne du monde MMA féminin ? Alors moi, ça a été un parcours un peu atypique, parce que j'ai commencé très tard. J'ai commencé exactement il y a 8 ans. Donc pour certaines personnes, elles commencent très tôt, donc elles ont un petit peu l'avantage. Et surtout dans les pays, par exemple, asiatiques, ils commencent vraiment très, très tôt. Moi, je n'ai pas eu cette chance, ou du moins, je pense que j'étais vraiment très éloignée du sport de combat. Et j'ai découvert ce sport il y a 8 ans. Donc,
j'ai gravi, comme dit Yves, très rapidement les échelons. Je pense que ça vient vraiment de la force mentale, parce que j'ai jamais lâché. L'objectif, il a toujours été présent dans mon esprit dès le début, dès la première mise de gants. Donc j'ai voulu vraiment arriver au bout de ce que j'avais entrepris, malgré les obstacles, hein, parce que je peux vous dire, des obstacles, il y en a eu. Hein. Entre le nez cassé, les chevilles, les orteils, les moments d'absence aux anniversaires, aux mariages, etc., parce qu'on ne peut pas manger ce qu'on veut, on doit faire attention. Et puis on est tellement concentré par l'objectif qu'on met un peu une petite parenthèse de notre vie. Mais le chemin est tellement, tellement plus beau après que lorsqu'on atteint cet objectif. Donc voilà, pour moi, ça a été assez rapide. J'ai eu, bien sûr, il y a eu de l'entraînement. Il y a eu énormément d'entraînement et du soutien de ma famille, bien évidemment. Donc voilà, ça a été très, très dur. Mais quand on y arrive, on a vraiment cette reconnaissance et on a une belle estime de soi. Voilà. Juste pour compléter, je n'ai pas posé la question, mais est-ce que tout le monde sait ce que c'est le MMA? Et est-ce que le MMA est quelque chose qui se pratique couramment en France? Y a-t-il des compétitions de... Ah, moi, j'ai la réponse. De MMA en France, est-ce que c'est un sport qui commence à être reconnu? Est-ce que c'est un sport, tu en es une représentation aussi féminin? Est-ce que c'est une fédération qui se développe? C'est quoi techniquement la différence du MMA avec le kickboxing, avec le grappling? Alors déjà, la première différence, c'est que ça se fait dans une cage. Donc il n'y a pas de ring, il n'y a pas de tatami à proprement dit, c'est vraiment dans une cage. Donc quand je dis cage comme ça, ça fait peut-être un petit peu peur, mais pas du tout, parce que c'est très bien encadré. Il y a un staff médical qui est là et aussi des gens pour protéger les athlètes. Donc aujourd'hui, le MMA est enfin légalisé en France, puisque nous, Françaises et Français, on était obligés de quitter la France pour aller combattre à l'étranger. Donc ça aussi, c'est pas évident parce qu'il faut prendre l'avion, il faut faire attention à la diététique, il faut faire attention à divers paramètres. D'accord ? Et enfin, aujourd'hui, les Français et Françaises vont pouvoir s'exprimer voilà, chez nous. Donc, on est fiers. Et puis, pour aller jusqu'au bout de la définition du MMA, donc c'est du pied, poing, coude, genou, contrôle de cage, amené au sol, soumission au sol et frappe au sol. Donc, voilà. Et contrairement à ce que tout un chacun peut penser, ce n'est pas du combat de rue, c'est très encadré, très structuré, très contrôlé et très soumis à un règlement précis. Oui, oui, parce que des fois, quand je dis MMA, les gens ils lèvent les sourcils parce qu'ils me disent « Toi, ton petit 1m60, 50 kilos, tu fais du MMA ?» Oui, c'est possible, c'est très bien encadré, c'est enfin légalisé et surtout, tout le monde peut le faire. Je vous garantis, tout le monde peut le faire, mais il faut juste avoir l'envie, la motivation et surtout la détermination et la persévérance. Voilà, tout simplement. Alors, Sam, si tu me permets de t'appeler Sam, oui. Je voudrais bien qu'on aborde le sujet de tout ce qui est confiance, engagement, dépassement de soi. J'ai du mal à penser que tout s'est fait du jour au lendemain, que tu as toujours tout gagné tes combats. Tu parlais de blessures, tu parlais de contre-coups. Je suppose qu'il y a eu des hauts, des bas. Est-ce que tu as été seul? Est-ce que tu étais accompagné? Tu parlais d'un corps médical, coach. C'est quoi ces relations qu'on entretient pour arriver un jour au plus haut niveau? Je prends juste un exemple aussi pour illustrer, pour ceux qui nous écoutent, nous entendent. Combien de temps a duré le dernier combat à Marseille? Quelques secondes, je crois. Moins 28 secondes, je crois. Oui, je crois, oui. Donc, un combat, c'est 28 secondes, parfois, quand ça se passe bien et rapidement. Exactement. Et c'est combien de mois d'entraînement avant, de répétition, de gestuelle, de gimmick, de... Il y a toujours au moins 3 mois d'entraînement. Donc, 3 mois d'entraînement, c'est aussi beaucoup de physique. Travailler son niveau cardiaque, physique, mental. Mais c'est vrai que certains combats peuvent être très, très longs. Donc, c'est-à-dire 5 fois 5. Donc, c'est pratiquement une demi-heure. C'est ce qui arrive quand on fait vraiment les grands championnats ou pour des ceintures. Sinon, c'est du 3x5, donc c'est quand même 15 minutes de combat non-stop, hein, parce qu'il faut être au taquet du début à la fin,
Il faut rester concentré. Et effectivement, Yves, je n'ai pas toujours gagné, mais j'ai beaucoup appris de mes défaites. Pour moi, chaque combat était un plus pour atteindre l'objectif que j'avais. Donc, c'est toujours enrichissant. Même quand on perd, on arrive à se remettre en question. On essaye de poser le pour, le contre, le pourquoi du comment. Est-ce qu'elle a été plus forte que moi? Est-ce qu'à un moment donné, j'ai fait une erreur et je l'ai payée? Donc tout ça, c'est tout le décryptage des combats, post-combat du moins, avec bien sûr mon coach, avec ma famille aussi, parce qu'on a besoin de soutien. Dans tout ce que vous entreprenez, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là, que ce soit votre famille, que ce soit votre compagnon, que ce soit quelqu'un... Moi, par exemple, comme Yves, dans le monde professionnel, c'est quelqu'un qui m'a vraiment tendu une perche. Donc, et d'ailleurs, je le remercie aujourd'hui. Voilà, donc, vous pouvez rester. Donc voilà, c'est pas toujours évident. Il y a toujours quelques petits aléas. Mais si vous voulez vraiment, vous pouvez. Voilà. C'est important quand même qu'on le dise, qu'on le redise, que par rapport à ce que vous vivrez, ce que vous allez vivre. J'ai envie de dire, on est dans un pays où la culture de l'échec... contrairement aux anglo-saxons, ce n'est pas quelque chose de positif. On n'a pas le droit de se planter. Donc, ce qu'on est juste en train de vous faire passer comme message, ce que tu dis pour moi est très fort, c'est qu'on peut se planter, on peut vivre un échec, mais au moins se planter et vivre un échec, c'est avoir essayé. Donc, ce que je vous invite à avoir comme réflexion, c'est oser essayer. C'est toujours la même chose. Hein. J'ai l'habitude de dire que vous avez en vous, les uns et les autres, beaucoup plus que vous croyez. Et le vrai sujet, il faut avoir de l'audace. Et c'est vrai que par rapport à ce que Samantha vient de nous dire, voilà, essayer au moins, c'est prendre le risque. Peu importe le sujet. L'engagement pro, sportif, peu importe. Alors, je reviens sur notre sujet, et j'ai vu que Sarah était en train de nous rejoindre. Samantha est ce qu'on appelle une SHN. Donc, c'est pas grave, c'est pas une maladie, hein, vous inquiétez pas. Non, pas du tout. Une sportive de haut niveau. Donc, ça fait partie de la catégorie des sportifs de haut niveau. Et c'est vrai que pour avoir travaillé dans d'autres périodes sur... le double parcours du sportif de haut niveau, comment on arrive à concilier un parcours sportif qui te mène jusqu'à la victoire du titre ou du Graal espéré, et à la fois un parcours professionnel, parce qu'une carrière sportive, hélas, s'arrête toujours plus tôt qu'on le prévoit, mais il faut toujours prévoir l'après. Je pense qu'il y a l'excitation aussi de la carrière sportive, mais il faut aussi anticiper ce que je veux être, ce que tu veux être, ce qu'on veut être a posteriori. Et on va accueillir l'ami Sarah qui, pour elle, est presque à l'heure. Donc, on se connaît bien aussi avec Sarah. Donc, 20 minutes de retard et voilà, est c'est 20 minutes marseillais. T'es habitué. J'avais prévu. T'habitué. Donc, pour les bonjour Parisiens, je préfère être honnête avec vous. Donc, Sarah vient de Marseille. Pas toi. Non. Non. Pas aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est fait. Et donc, je vais terminer donc sur. Sur Samantha, on t'a présenté donc avant ton arrivée. Super. Je vais reprendre les mêmes questions avec Sarah. Donc, tac. Donc, Sarah, je t'ai présenté. Génial. Très content de te retrouver. On a expliqué, enfin, surtout Samantha, on a expliqué ce que c'est le kickboxing et le karaté semi-contact, mais j'avais gardé quelques bons souvenirs du kickboxing et du karaté contact. Alors, par contre, c'est clair, je ne me suis pas évanoui avec Sarah. Il n'y en a qu'une des deux qui avait réussi cet super exploit en son temps. La question, en tout cas l'enjeu que je rappelais donc, aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, engagement sportif, engagement personnel, dépassement de soi, et puis on commence à aborder du bout des lèvres le sujet. Donc, et après la carrière sportive, est-ce que cet engagement s'arrête ou est-ce qu'on rebondit professionnellement sur d'autres choses? Et est-ce que votre carrière sportive nourrit votre carrière professionnelle? Donc c'est un peu ça le sujet de l'après-midi. Donc pareil, même question que pour Samantha tout à l'heure, pourquoi tu as choisi en son temps le kickboxing et le karaté KO? Alors, à la base, j'ai commencé à l'âge de 7 ans. C'est ma mère qui m'a mis au karaté à l'âge de 7 ans. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui était passionnée de sport. Donc, elle a mis ses enfants dans plusieurs sports. Donc, j'ai essayé l'athlétisme, la danse et notamment le karaté. Et j'ai tout de suite adoré. Je suis tombée sur un sensei qui est aujourd'hui comme mon oncle, qui m'a appris beaucoup de valeurs, donc les valeurs de... la détermination, du dépassement de soi, de la passion surtout, parce que malgré les échecs, il faut rester passionné, sinon on arrête hein, et on n'a plus la détermination pour réussir. Et du coup, voilà, au fil des années, il m'a très vite mis dès l'âge de 9 ans en compétition et du coup, voilà,
J'ai été passionnée par les compétitions. C'est ce qui me donnait la force, en fait, de continuer, d'aller presque tous les jours à l'entraînement. Et du coup, après, un peu plus tard, arrivée à la fac, j'ai arrêté le karaté. Enfin, en tout cas, j'ai fait une pause de karaté pour me joindre aux boxeurs et aux boxeuses, notamment Samantha Jean-François qui est à côté de moi. Et j'ai commencé le kickboxing, donc à l'âge de 22 ans. Peut-être un petit peu tard, mais finalement pas tant que ça, parce que dans notre domaine, en tout cas du kickboxing, c'est un domaine qui s'ouvre notamment aux femmes. Et quand je suis arrivée, il n'y avait pas énormément de femmes, et du coup, j'ai pu me frayer une petite place assez rapidement. Alors, pour donner une petite appétence et un goût au sujet, donc on attendait que tu nous rejoignes, pour vous proposer quelques vidéos, donc on vous propose 3 heures de film. Non, pas 3 heures, je vous rassure, quelques extraits des compas des championnes que sont Sarah et Samantha. Sarah, c'est une travailleuse. Par contre, 3 coups, tu lui mets la pression. Voilà, c'est ça. C'est toi la patronne. Allez, on y va. Doucement, Sarah, doucement, doucement. Les combats ne durent que quelques minutes. Ouais. Mais pour les deux adversaires, l'effort semble une éternité. Il faut tenir sous les coups et sous la pression. Va le chercher, Sarah, vas-y. Et Sarah va le chercher, ce titre. Va le chercher. Extrait donc du coup de mon championnat du monde et de championnat de France, et là c'est Samantha. Pardon, c'était en Angleterre. Excusez-moi, je suis un petit peu émue parce que c'est vrai que c'est un combat qui m'a beaucoup marqué, beaucoup. Parce que le premier combat que j'ai fait en Angleterre, donc je l'ai perdu très rapidement et je savais pas, mais en fait j'étais enceinte. J'avais mon fils qui était à l'intérieur de mon ventre au moment du combat. Donc quelques années après, j'ai demandé à avoir une revanche parce que pour moi, c'était un peu un événement inaccompli. Donc là, c'est vrai que ça a été, je m'étais énormément préparée et je tiens à le dire, mais sur ce combat, j'étais blessée. Donc il fallait que le combat aille très vite parce que je ne voulais pas sortir avec des bobos. Et donc ça s'est très très bien passé et ça a été une très très bonne revanche pour moi. Voilà, tout simplement. Bravo a posteriori. Merci. Je reprends avec toi, Sarah. Tu nous as expliqué donc le choix de ce sport. En deux, trois temps, comment tu as gravi les échelons pour t'amener donc jusqu'aux 2 titres que l'on a évoqués. Et puis après, on reviendra avec vous deux, si vous voulez bien, sur il n'y a pas que le sport dans la vie. Il y a l'après-sport, parce qu'une carrière de sportif, selon les sports, ça dure jusqu'à 20, 25, 30, 35, dans certains sports, pendant tous les sports. Donc comment on construit la deuxième partie de carrière? Comment on construit un double parcours sportif, formation et professionnelle? Alors, par rapport aux échelons que j'ai pu gravir, notamment d'abord au karaté, le karaté, ça a été très, très long. Ça a été, j'ai pas gagné tout de suite, j'ai pas été championne de France tout de suite, ça a pris plusieurs années. Même si voilà, j'arrivais à être championne départementale, championne régionale, j'avais ces blocages à chaque fois au championnat de France. Donc voilà, 3e, 4e. Et jusqu'à ce que voilà, j'arrive au bout de tous ces entraînements, de tous ces efforts. Et du coup, en 2016-2017, j'ai été championne de France de karaté. Ça a été vraiment une consécration. Hein, et
ça a été aussi une récompense par rapport à tous les efforts que j'ai faits, par rapport à la détermination aussi que j'ai eue et aussi au soutien de mes coachs et de mes amis, de ma famille. Donc voilà, ça a été très long, mais la victoire, elle a été aussi très très belle et vous avez vu une partie des extraits du championnat de France. Pour ce qui est du kickboxing, alors contrairement, c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que le karaté, j'ai commencé à l'âge de 7 ans et j'en fais encore, j'en ai 28. Et j'ai mis beaucoup de temps à avoir mon titre de championnat de France, mais le kickboxing, alors que je suis arrivée à 22 ans, et c'est comme Samantha, hein, dès qu'on est arrivée, en fait, on a vite percé. Moi, ça m'a d'ailleurs un peu surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Ça a été une consécration tellement rapide pour moi, oui et non, parce que voilà, il y avait des entraînements, on n'a pas fait ça en un an, mais voilà, quelques petites années par rapport au karaté, ça a été pour moi très surprenant. Je ne m'y attendais pas à percer aussi vite. Je pensais que j'allais encore gravir les échelons beaucoup plus lentement, comme ça a été le cas pour moi pour le karaté. Mais voilà, ça a été une belle surprise et ça m'a donné envie après de découvrir d'autres sports, toujours dans les sports de combat, et de m'essayer un petit peu à être dans d'autres sports comme le sport qui est le MMA ou Samantha Excel. Mais bon, voilà, ça c'est une autre étape, étape que j'aimerais bien un jour franchir, mais bon, c'est pas encore pour demain. si je peux me permettre, je vais me faire plaisir. Il n'y a pas de secret. Il n'y a que du travail. Exactement. Il n'y a pas de secret, il n'y a que du travail, il n'y a que de l'engagement de soi, il faut y croire. C'est ça. Il n'y a pas de secret, on peut se planter, on ne gagne pas tout de suite. Exactement. La preuve, hein, que ce soit Samantha ou moi, on a gagné, puis on a perdu, puis on a regagné, puis on a reperdu. Si à chaque fois qu'on avait perdu, on arrêtait les compétitions, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas beaucoup de compétiteurs qui représenteraient notre pays aux quatre coins du monde. Donc, malgré les échecs, il faut apprendre de ces échecs, apprendre de ces expériences et toujours continuer et ne jamais lâcher. Si je peux me permettre, mesdames, il n'y a pas de secret, on n'est pas non plus tout seul. Quoi. Je l'ai entendu, Samantha, tu l'as rappelé, le coach, le corps médical, les soignants, la famille. Si je dis ça, c'est qu'il faut faire le parallélisme ou le parallèle avec ce que vous allez vivre demain professionnellement. Reprenez tous les mêmes termes. Il n'y a pas de secret. Il y a du boulot, de l'engagement. Il faut y aller, il faut y croire, il faut se dépasser. Il faut accepter de perdre, de ne pas toujours gagner. Il faut accepter de parler, de ne pas s'enfermer dans son coin, surtout après une défaite. Est-ce que le parallélisme entre les deux se fait comme ça ? Tout à fait. Que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde sportif, y a effectivement ce lien étroit. Hein, puisque dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours, il y a aussi... la croyance, quand je dis croyance, attention, c'est vraiment au sens pur et dur, puisqu'il faut croire en vos projets, croire en votre ambition et surtout en votre réussite et votre objectif à atteindre. C'est exactement la même chose dans le sport. D'ailleurs, de plus en plus aujourd'hui, les entreprises recherchent ça, d'accord, tout ce qu'on appelle soft skills, dépassement de soi. On a besoin de ça aussi en entreprise. Donc c'est très important de faire le parallèle entre le sport et votre vie de tous les jours. Alors, comme tu as le micro, Samantha, double parcours, comment on suit une formation, comment on s'engage sportivement, comment on arrive à gérer en même temps deux niveaux de vie, deux niveaux de carrière, tous les sacrifices que tu nous évoquais tout à l'heure? Alors je pense que c'est une grande question d'organisation déjà, parce qu'il faut pouvoir partager son temps entre ses entraînements sportifs. Une cause pour laquelle aussi je suis tous les jours bénévole, donc la lutte des violences faites aux femmes et la vie professionnelle et la vie de famille. Donc il faut essayer de pouvoir consacrer du temps et pouvoir tous les jours donner un petit peu comme on peut, on va dire. Voilà. Se répartir, exactement. Sarah, pareil pour toi? C'est vraiment une question d'organisation, hein. Comme le sport, comme les compétiteurs. Quand on a une compétition, on planifie avec notre coach les étapes, on planifie les activités. Là, c'est pareil que moi, j'étais à l'université, je planifiais mes examens comme je planifiais mes compétitions. J'avais une date. Et entre le jour J et la date, je me mettais à chaque fois des points d'étape.
Et c'est étape par étape qu'on arrive à notre objectif et étape par étape qu'on, voilà, qu'on arrive à toucher au bout des doigts notre rêve professionnel, sportif, associatif, familial aussi, parce que voilà, on n'est pas tous sportifs, mais on a quand même parfois des doubles vies entre les études et voilà, la vie de famille. Et ça demande autant de rigueur, autant de sacrifices et autant de passion. Puisqu'on évoquait la notion de souvenir, un souvenir qui te revient sur ce cursus étudiant sport, et de même pour toi, Samantha, dans la foulée. Oui, donc j'ai plusieurs souvenirs, mais un des souvenirs qui m'a le plus marqué, c'est arriver à la fac. Ça a été quand même un peu compliqué pour moi de trouver un rythme entre la fac et mes entraînements qui étaient tous les soirs quasiment. Donc c'est pour ça qu'à un moment, j'ai un peu arrêté le karaté. C'est à partir de là. Tous les soirs, combien d'heures ? Au moins 2 heures minimum. Et du coup, à partir de la fac, j'ai commencé à me dire, bon, je vais un peu faire une petite pause parce que voilà, je suis submergée. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi, l'université. Il n'y a plus personne derrière nous. C'est pas comme dans une école où vous avez encore quand même quelques cadres et quelques coachs qui vous entourent. À l'université, vraiment, j'avais l'impression d'être lâchée comme ça toute seule. Donc j'ai dû apprendre à m'organiser, j'ai dû apprendre à me coacher moi-même. Et du coup, j'ai voulu en même temps faire une petite pause. Bon, quand je dis pause, c'est que ça veut dire qu'au lieu d'aller tous les jours, j'allais 2 fois par semaine. C'est pour nous une grosse pause, hein. Mais il me fallait bien sûr quand même continuer à me dépasser physiquement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'université, on avait la possibilité de faire du sport. Et du coup, j'avais vu qu'on pouvait faire du karaté. Donc, je me suis dit, c'est une bonne occasion de pouvoir continuer à faire un peu plus d'heures, même si ça allait être un peu du loisir. Et en fait, très vite, le coach de l'université d'Aix-Marseille m'a dit, non, mais tu sais qu'il y a une compétition universitaire, un championnat de France universitaire, et bientôt une compétition régionale pour constituer l'équipe de France de l'université. Donc, prépare-toi, tu vas y aller. Donc, moi qui pensais que j'allais arrêter les compétitions pour ma première année de droit et peut-être ma deuxième année, en fait, non, il n'y a pas de pause. Donc, il m'a motivée et arrivée au championnat régional, j'ai tout de suite été mise dans le bain à nouveau des compétitions qui n'étaient pas très loin. Et j'ai pu gagner, du coup, être championne régionale et participer et représenter l'université et ma région au championnat de France. Et voilà, ça a été une expérience formidable, comme quoi, même quand on veut arrêter, même quand on veut faire une pause, ça nous suit. Et je pense que ça nous suivra toujours, même à 40, 50, 60. On aura toujours ce lien avec le sport et surtout ce monde de la compétition. C'est avec le sport et l'envie d'une manière générale. C'est ça, exactement. Samantha, un souvenir aussi que tu veux évoquer ? Alors moi, le souvenir, il va être très récent, puisque lorsque j'étais encore en études, je n'avais pas encore commencé ma carrière sportive. Donc je vais prendre un exemple très simple. Au moment où j'ai décidé de reprendre un travail pour avoir une stabilité professionnelle, donc j'avais décidé de mettre un petit peu en stand-by ma discipline sportive. Il s'est avéré qu'on m'a proposé de faire le championnat de France de lutte. Donc, je ne vais pas vous mentir, hein, j'avais, 3 cours de lutte dans les pieds, donc c'était très peu. J'ai eu très peur. Je me suis dit, mais non, je ne pourrai jamais le faire, je ne vais jamais y arriver, ça ne va pas être possible, ça ne fait que 3 cours de lutte. Je n'avais pas du tout confiance en moi. Et mon coach, donc mon coach de lutte, mais aussi mon coach de MMA, m'a dit, écoute Samantha, on va essayer d'allier le fait que tu veuilles retravailler. Et du coup, il m'a aussi aidé à continuer mes entraînements à côté. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses à dire, moi je ne l'ai pas fait parce que, je ne l'ai pas fait parce que. Non, en fait, c'est vous qui vous imposez des excuses. Donc aujourd'hui, je pense qu'allier études et sport, c'est complètement compatible et c'est vraiment possible. Voilà. J'aime bien cette notion, il n'y a pas d'excuse. Il y a un terme très, très savant qui parle de procrastination, remettre systématiquement à demain ce qu'on n'a pas envie de faire aujourd'hui, je vous rassure, hein, on le fait tous. Mais après, dans l'engagement sportif, dans l'engagement professionnel ou associatif qu'on va évoquer, dans votre futur, il n'y a pas d'excuse à ne pas essayer. Donc il y a un moment où vous serez confronté, vous aussi, à ce genre de réflexion. J'ai presque envie de dire, il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas réfléchir, il faut y aller. Et là où il y a de l'envie,
il y a une capacité à faire. Voilà, Yves disait tout à l'heure, il faut oser, il faut avoir de l'audace. Donc effectivement, moi, c'est, le mot oser, c'est vraiment un mot que j'apprécie énormément, parce que je suis quelqu'un qui est assez curieuse. Donc je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé si je n'ai pas essayé. Donc essayez, allez-y, faites-vous votre propre avis. Et surtout, ne restez pas dans l'ignorance. Voilà. Les excuses, comme j'ai dit, vous les imposez vous-même. Et j'ai même envie de dire, si vous vous remettez à demain ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui, forcément, demain, il va vite arriver et il faudra quand même le faire. Voilà. Merci. Je crois qu'on a une petite vidéo sur l'engagement, enfin, ce que j'appelle, moi, la poursuite de carrière, pas que sportive. Donc, c'est une vidéo qui te concerne, Samantha. Puis, rapidement, dans la foulée, on va reprendre le sujet de... ça vous a servi à quelque chose, le parcours sportif, dans vos vies professionnelles ? Moi, j'ai un peu un début de réponse. Vidéo, Samantha. Baby, it's over, the game changed. Playing it slow.
Moi, j'ai envie de dire, comme à la télé, de bien belles images. Tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. Alors, en fait, cette vidéo, elle a été faite pour les femmes, donc pour la journée de lutte contre la violence faite aux femmes, parce qu'aujourd'hui, c'est un fléau, malheureusement. Ça arrive de plus en plus. Et moi, en fait, je suis bénévole dans une association contre ça. C'est-à-dire que j'ai créé une association pour aider les femmes à travers les sports de combat à lutter contre tout type de violence, donc que ce soit physique ou verbale, hein, bien sûr. Et bien évidemment, lorsque je suis dans la cage, c'est aussi pour ça, puisque dès que je franchis les portes d'une cage, je pense aussi à toutes celles qui sont parties trop tôt, bien évidemment, et celles qui aujourd'hui doivent arrêter de se taire et doivent dire stop à ce genre de violence. Sarah, je rebondis sur ton parcours, ton engagement de ton côté. On va peut-être se recentrer un peu pour ceux qui nous suivent au loin. Oui. Donc, après le sport, l'engagement, tes volontés, tes envies. Mon engagement, il a été aussi donc, dans mes études. Je vais bientôt être docteur en droit. J'ai été chargée d'enseignement pour le doyen de la faculté d'Aix-Marseille. Donc ça a été aussi un de mes objectifs que d'aller vraiment le plus loin possible dans mes études, aussi bien que dans le sport. Mais j'ai aussi un engagement associatif depuis l'âge de 16 ans pour les jeunes, pour les personnes en situation de handicap et pour les mamans isolées, comme l'a été la mienne et comme l'est toujours la mienne. Et donc ça transparaît à travers mes différentes associations et ma fondation, que j'ai créé aussi grâce à l'appui et au courage, les encouragements de Yves. Donc aujourd'hui, je suis présidente d'une fondation qui s'appelle Agir et qui aide les personnes démunies, les personnes en situation de handicap. Et nous sommes dans plusieurs actions avec d'autres fondations, notamment la fondation d'Auteuil, avec qui nous sommes partenaires dans plusieurs actions qui aident les jeunes et les moins jeunes à réussir, à se dépasser et à ne jamais lâcher baisser les bras. Alors, merci pour ces témoignages. Alors, je vais faire quelque chose qui n'est pas du tout prévu, puisqu'en fait, il y a des choses qu'on a préparées, des questions qui ont été préparées, rien de grave après. Mais en fait, on est ici avec des étudiants en physique et en distanciel, et à un moment, ils vont se poser la question. J'ai une mauvaise nouvelle, oui, parce qu'après les études, il va falloir travailler. Je suis désolé. Hein. Ça arrivera. C'est vrai qu'il arrivera le premier choix du premier travail, et contrairement à ce qu'on a pu connaître il y a 10, 20, 30, 40 ou 50 ans, le premier choix n'est pas le choix éternel où vous allez faire carrière pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que les choses bougent. Mais c'est vrai qu'il va falloir anticiper ce choix ou ces choix. Et c'est vrai que par rapport à ce que vous évoquez, vous avez eu plusieurs étapes de vie, parce que je n'ai même pas envie de carrière professionnelle, de vie, de femme engagée, de mère, de carrière professionnelle. Tout ça, c'est des étapes. Et quand je dis c'est des étapes, il faut s'engager. Ce qui m'intéresserait, c'est de dire, est-ce qu'il y a une vie après le sport? Parce que la question que je vous passe, c'est, il y aura un premier boulot, puis il y aura toujours une vie après le premier boulot, il y aura un second boulot, point, et vous verrez que ça se construira assez facilement et naturellement, mais ça, vous l'avez vécu aussi, et c'est vrai que dans le monde des sportives de haut niveau, la question du rebond professionnel est essentielle. Aujourd'hui, vous bossez, vous avez un travail? Oui, on a toutes les deux un travail, on travaille d'ailleurs pour un projet qui nous tient à cœur et qui tient aussi à cœur à M. Nkint, qui c'est notamment lui qui l'a pensé. Notre première rencontre, il y a plus de 3 ans, a initié une initiative de sa part qui est de mettre en place un parcours qui allie les valeurs du sport et l'engagement et la détermination au service des jeunes. Et nous mettons en place du coup des formations d'insertion professionnelle. Moi, de mon côté, du côté de on va dire de Acto, voilà, je finance et en même temps je cherche les employeurs qui demain vont s'engager à tendre la main vers une jeunesse qui a envie de réussir. Et de son côté, Samantha, elle est plus dans le dur, dans la technique, et c'est elle qui va former ces jeunes avec son organisme de formation, qui va leur apprendre, ils vont leur apprendre un métier, ils vont leur apprendre à se remettre un peu dans le monde du travail, parce que c'est des jeunes qui sont très très éloignés de l'emploi, qui ont arrêté la plupart du temps leurs études. Donc c'est tout un travail qu'il faut refaire avec eux, et c'est cette alliance là qu'on a aujourd'hui entre Samantha et moi, et le lien entre Samantha et moi, c'est Monsieur Yves Inekin. Donc vous avez beaucoup de chance de l'avoir comme directeur
ici. C'est pour ça aussi qu'on est à ses côtés. C'est parce que voilà, on a les mêmes valeurs. On a envie de tendre la main vers cette jeunesse française qui n'est pas feignante, qui a envie de réussir, qui se bat tous les jours, qui est pleine de détermination, pleine d'espoir. Et voilà, c'est ces valeurs communes qui nous réunissent aujourd'hui, qui nous réunissent depuis plusieurs années et qui continueront encore à procréer d'autres initiatives. Tu veux compléter, Samantha ? En fait, je suis en train de réfléchir qu'il faudra que je fasse une photo avec deux championnes du monde. Je crois que je ne l'ai pas encore fait, celle-là. Non, je ne crois pas. J'ai presque envie de dire que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est un peu l'évolution de demain. Vous êtes vraiment les personnes qui vont faire que les choses vont avancer. Donc, il faut y aller, il faut avoir envie, et il faut oser, il faut pas rester caché. Non, vous êtes vraiment riche, mais vraiment. Moi, dans toutes les formations que je fais, j'en apprends même des jeunes. Hein. Il y a énormément de partage, il y a énormément de richesse, et toutes nos cultures différentes font qu'on est tous différents, mais tellement plus forts ensemble. Donc, n'hésitez pas. C'est tellement vrai que j'ai beaucoup appris sur le hip-hop par un jeune que vous avez formé. Vous voyez, donc, comme quoi tout est possible. Oui, oui. Juste une dernière question avant d'arriver aux questions éventuellement donc des étudiants ici ou qui peuvent poser des questions donc sur les réseaux sociaux. Sport, diversité, intégration. Alors, ça fait peut-être un peu cliché, mais ça veut dire quelque chose. Ça vous parle? Vous vivez au quotidien? Au quotidien, ça veut dire quoi pour vous? Oui, sport. Les valeurs du sport, de toute façon, on les retrouve un peu partout. On les retrouve dans la vie professionnelle, dans l'insertion. Il y a des valeurs communes, hein, comme on l'a déjà dit, l'esprit d'équipe. Quand on est dans une entreprise, on doit être fédéré autour d'un projet pour aller plus loin. Il y a l'esprit de respect envers son manager, respect envers les règles, respect, nous, sportifs, envers les tactiques de notre coach, donc respect envers la position de ses collègues. Et lorsque même on a des difficultés avec des collègues, on essaye aussi de toujours régler les choses dans le respect. Il y a aussi beaucoup de valeurs communes avec le monde de l'emploi, qui est la détermination, toujours être déterminé à aller toujours plus loin. On se fixe des objectifs, mais il ne faut pas avoir peur d'aller plus loin que les limites qu'on s'est fixées psychologiquement. Toujours aller plus loin que ses propres limites, pour essayer de toucher du doigt nos rêves, ne jamais se limiter à ce que d'autres pensent de nous ou ce que d'autres aimeraient qu'on fasse. Vraiment, ne vous limitez pas, n'ayez aucune limite. Et votre jeunesse vous donne cette chance de n'avoir aucune limite. Donc, n'hésitez pas à aller plus loin que vos propres limites et toucher du doigt votre rêve, parce que c'est maintenant et ça ne se fera pas demain. Donc, allez-y à fond. Alors, je rajouterai effectivement une petite chose que Sarah a très bien dit. Toutes les valeurs du sport qu'on met en avant aujourd'hui avec vous, mais aussi dans le milieu professionnel dans lequel on est, elles sont transférables dans votre corps de métier. Donc, c'est-à-dire, on parle de détermination, d'esprit d'équipe, d'autonomie, etc. Mais c'est tout ça, vous allez le retrouver dans le sport, forcément. Le respect de son coéquipier, d'accord, de son partenaire d'entraînement, être à l'écoute, parce qu'en entreprise, vous allez avoir besoin d'être à l'écoute de ce qui se passe, de ce que votre manager peut vous dire, etc., mais aussi au sport, être à l'écoute du partenaire, comment il se sent aujourd'hui, est-ce qu'il est prêt à ce qu'on fasse un combat ensemble, etc. Tout ce que vous pouvez apprendre dans une pratique sportive sera forcément un plus dans votre métier. En fait, le vocabulaire que vous employez est le même dans le monde de l'entreprise. Exactement. Donc, en l'occurrence, si je reprends juste des mots, travail, parce qu'il n'y a pas de secret, on l'a dit, travail. Oui. Tu disais tout à l'heure, oser. Oser. Je remets en parallèle le mot envie. On a des envies. Très bien. J'ai envie de dire choisir. J'ai toujours dit à mes propres enfants, choisir, c'est renoncer. Mais il faut aussi accepter de se tromper, accepter de se casser la figure, pour être très clair, mais aussi accepter de gagner, mais rester, comme vous le démontrez aujourd'hui, plutôt humble. Parce qu'on sait que quand on a gagné, on en a un petit peu bavé avant d'en arriver à ce niveau-là. Et que le jour où ça va bien, ben on ne sait jamais. Demain, ça peut être compliqué. Donc voilà, ça, c'est des parcours de vie. Ce que je vous propose maintenant, c'est s'il y a quelques questions
ici dans l'assistance ou au loin dans le fameux monde du web. On en profite, Sarah, Samantha surtout, parce que moi, ce n'est pas moi qui ai les réponses. C'est toujours la première question qui est un peu plus délicate, donc passez directement à la deuxième. Ah, c'est la deuxième question, c'est celle que je voulais. Moi, c'est vraiment les valeurs du karaté. Donc, j'ai commencé le karaté à l'âge de 7 ans. C'est la rigueur, en fait. Le karaté, ça demande une rigueur, ça demande de la patience, puisque chaque coup doit être un peu des coups chirurgicaux. C'est un peu comme l'escrime. Il faut vraiment être très rapide, toucher, repartir. Ça a été pour moi un choix qui m'a aidé ensuite pour la suite de mes activités. Vraiment rigueur, calme, jamais être précipité, toujours réfléchir avant d'aller donner un coup. Donc pareil, je réfléchis avant d'aller m'exposer à droite ou à gauche. C'est pour cela que j'ai choisi à la base le karaté. Ensuite, j'ai atterri au kickboxing bien plus tard, parce que là, j'en avais marre de réfléchir et je voulais plutôt agir. Donc je voulais des coups, je voulais en recevoir et je voulais un peu plus de punch. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ces deux disciplines. Alors moi, c'est totalement différent. J'ai commencé le MMA, c'était vraiment dans un tournant de ma vie, puisque j'ai commencé il y a 8 ans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et j'avais fait un petit peu le tour d'où j'étais, d'accord. Donc sur ma petite île à l'île de la Réunion, j'avais vu un petit peu les montagnes, l'eau, etc., les gens. Donc j'avais vraiment envie de voir autre chose. Et comme je suis quelqu'un d'un petit peu rebelle, donc j'ai choisi le MMA. Parce qu'en fait, dans le MMA, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Donc si ça ne va pas en pied-point, j'irai en lutte. Si ça ne va pas en lutte, je contrôlerai contre la cage. Mais l'issue du combat sera toujours la même. La question était très bonne. Ça amène quand même plein de réponses différentes. Merci. Est-ce que quelqu'un veut poser la troisième question ? Mademoiselle. Draconien. Quel est le régime d'une sportive de haut niveau ? Est-ce que c'est une astreinte matin, midi et soir ? Beurre ou biscotte ? C'est ça la question ? Je suis plutôt beurre et biscotte, c'est vrai. Ouais, moi aussi, beurre demi-sel, on est d'accord. Merci. C'est pardon. Ça, exactement. On est sur les détails importants. Alors, pour répondre à votre question, je mange normalement, d'accord, quand je ne suis pas en période de compétition. Mais malheureusement, comme je suis en période de compétition pratiquement tout le temps, donc du coup, on essaye de faire attention. On se fait quand même un peu plaisir, on ne va pas se mentir quand même. Mais c'est vrai que l'équilibre alimentaire fait aussi partie de l'équilibre psychologique, du sommeil, de votre état de forme tous les matins. Et comme je suis salariée dans une entreprise, donc j'ai pas droit à l'erreur aussi là-dessus. Donc il faut que je sois en forme. Et ça fait aussi partie de l'hygiène de vie que vous devez avoir aussi tout au long de votre parcours et de votre carrière professionnelle. C'est important. Merci. Une autre question ? Au loin ? Alors c'est la deuxième question qui devient la quatrième question. La gestion du stress, la fameuse question de la gestion du stress, qui est aussi un sujet important que vous serez amené à vous poser plus tard. Parce que le stress, il est perpétuel. Il y a le bon stress, le mauvais stress. Ce n'est pas moi qui réponds, je vous rassure. Mais je peux vous donner une anecdote. J'en connais une, plutôt sur les deux, je ne donnerai pas de nom, qui, dans l'exercice d'aujourd'hui, me semblait un tantinet stressé tout à l'heure. Mais franchement, le stress, il existera toujours. Pardon, je n'ai pas voulu répondre. Non, mais il a tout à fait raison. En fait, on ne se débarrasse pas du stress. On ne stresse pas, dans le sport, on ne stresse pas de se blesser. J'ai jamais eu de stress de me blesser, jamais eu le stress de me dire que la personne qui est en face de moi, elle est beaucoup plus forte. C'est plus un stress Non, c'est même pas le stress de bien faire, c'est vraiment le stress de décevoir. Moi, ça a toujours été ça. Parce que j'ai toujours eu tellement de personnes qui m'ont toujours encouragée. Et en fait, à chaque fois que je mets le pied sur un ring ou sur un tatami,
J'ai tous les espoirs qui sont voilà sur mes épaules, et c'est plus la peur en fait de pas être à la hauteur de leur sacrifice et de leur encouragement, plutôt que la peur de perdre, parce que en tant que compétiteur, c'est ce qu'on apprend en premier, perdre, pour pouvoir réussir à toujours rebondir. Donc moi, mes coachs, ils m'ont toujours appris à savoir perdre avant de savoir gagner. Donc voilà, le stress, on l'a toujours. Et dans mes études, j'ai toujours aussi, pareil, été stressée pendant les examens. Et quand voilà, on nous dit, allez, c'est parti, il n'y a plus de stress. Et c'est pareil qu'en compétition, quand on entend la cloche ou quand on nous dit, allez-y, il n'y a plus de stress, on pense à plus rien, on pense juste à faire notre travail et le mieux possible. Et tout d'un coup, voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus de stress. Voilà. Parfois, ce qui est aussi dur en compétition, c'est l'attente. Par exemple, le championnat de France, je suis arrivée à 8h. Et j'ai combattu la dernière à 21h. Voilà, là, ça aussi, c'est une capacité aussi à gérer le temps. Le temps est très, voilà, très long, quand, en plus, on stresse. Donc, cette gestion du temps aussi est très importante, notamment dans le monde du travail. Alors, moi, c'est pas du tout décevoir, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les débuts de mes combats, je les faisais... pour ma mère, pour mon père. Mais en fait, j'avais même pas besoin de ça. Que je combatte ou je combatte pas, mes parents, ils seront toujours fiers de moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait vraiment que lorsque je suis dans la cage, il faut que je le fasse pour moi. Même pas pour mon coach, hein, j'ai envie de vous dire, parce que lui, il a fait le travail en amont. Et comme disait Sarah tout à l'heure, si vous avez respecté toutes les étapes pour arriver à votre objectif, il n'y aura pas de stress. Il n'y aura pas de stress. Il n'y aura que du bon stress, du moins. Vous allez être préparé. Vous avez fait le travail en amont et le jour J, vous avez juste une prestation à faire de tout le travail qui était derrière, en fait. Donc maintenant, vous savez gérer les examens, c'est bon ? Vous inquiétez pas, vous finirez par vous habituer à cette mécanique du stress. Donc là, j'ai une question de RS. Non, je vous rassure, ce n'est pas un prénom, hein. C'est réseaux sociaux. Vos débuts ont été difficiles ? Si oui, comment vous avez géré cette partie d'un début de carrière sportive ? Si ça a été difficile, sauf si ça a été trop facile dès le début, quoi. Alors pour moi, ça a été difficile. Les débuts ont été difficiles, peut-être pour l'intégration, pour m'intégrer, puisque comme j'avais jamais posé les pieds en France pour le sport, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était peut-être un talent que j'avais et qu'il fallait que j'exploite dans les sports de combat. Donc j'ai allié le talent aux entraînements et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui tout va bien et que j'atteins un niveau qui n'est pas encore ce que je veux. Donc j'ai encore beaucoup d'objectifs sportifs. Donc voilà, il faut que je continue à travailler. Alors moi, dans le karaté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, oui, ça a été très dur. Ça a été une expérience de longue haleine avant que j'atteigne le titre de championne de France. Donc j'ai appris à être déterminée et à ne jamais lâcher. Et ça a été une expérience de vie qui m'a été très bénéfique par la suite. Parce que voilà, après, j'ai de cette détermination et du fait de ne pas atteindre les objectifs toujours très très vite, j'ai pu aller jusqu'au doctorat qui est hyper long. Et du coup, ça m'a paru très 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 simple parce que voilà, je suis habituée à travailler et à attendre parfois plusieurs années avant de récolter les fruits de mon travail. Et alors que pour le kickboxing, comme je vous l'ai dit, ça a été très très rapide. Et ça a été une très belle surprise et ça aussi il a fallu le gérer psychologiquement, aussi le gérer avec l'appui de mes coachs qui sont toujours très très importants dans le parcours d'une compétitrice ou d'un compétiteur. Si je peux me permettre, donc j'aime bien le mot talent, donc ça veut dire un, trouver votre talent et travailler le reste. Je crois que c'est Federer qui le disait, il avait un coup droit inné, donc comme son coup droit était facile, il n'a fait que travailler son revers qui a fini par devenir son meilleur coup. Donc, trouvez votre talent, parce que vous en avez un, même si vous ne le mesurez pas aujourd'hui, et surtout, travaillez le reste. À partir de là, je pense que vous aurez des opportunités. Et c'est ce qu'on apprend au karaté. Je ne sais pas si un jour vous aurez l'envie de faire du karaté. En tout cas, au karaté, on refait le même geste parfois pendant 2 heures. On refait le même geste. Et je peux vous dire que quand au bout de 2 heures, vous refaites le même geste,
Ça vous apprend à voilà, ne jamais lâcher. Et du coup, mais à chaque fois, le coach fait en sorte de vous faire 2 heures le geste que vous détestez. Et à la fin, en fait, ce geste, il devient autonome. Et ce que vous détestiez, en fait, vous le faites sans réfléchir. Ça devient voilà, inné. Et donc, la détermination est refaire, par exemple, vos exercices, les refaire vos devoirs, refaire vos anciens examens qui n'ont pas forcément marché. La capacité de vraiment ne voilà, jamais se dire que bon, c'est un échec, je mets de côté et j'en parle plus. Non, vraiment reprendre, refaire un état des lieux de vos échecs pour apprendre de ces échecs et toujours rebondir plus haut et plus loin. On a encore le temps pour une question, une dernière question éventuellement. Ou s'il n'y a pas de questions. Donc dans la logistique, s'il y en a certains qui veulent poser des questions en off, donc à nos deux championnes du monde, il ne faudra pas hésiter. Puis après, on basculera de l'autre côté. Ça reste la grande maison Thalys, mais on va partir dans la deuxième cafétéria du campus. Si certains souhaitent en profiter, je suis désolé, vous êtes obligé de faire quelques photos avec les uns et les autres. N'hésitez pas. Bonne suite à vous. Oui. Ah, une dernière question des réseaux. Ah, question. Quels sportifs, on a dit sportifs, vous ont inspiré? On ne parle pas de chanteurs, voilà, pas de rappeurs, non, on est sportifs. Alors moi, j'ai été inspirée par Georges Saint-Pierre, donc c'est un grand champion de MMA. Mon coach va m'en vouloir, il va me tuer d'entendre ça, mais ce n'est pas grave, je le dis quand même, parce que c'est la vérité. Donc voilà, j'ai vraiment, ça a été un modèle pour moi, ça l'est toujours. Et c'est vraiment ce qui m'a donné un petit peu l'envie de faire du MMA. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai presque envie de dire ce qui m'a vraiment donné envie, c'est moi-même, tout simplement. Voilà. Alors moi, j'ai été inspirée dès le plus jeune âge par un sportif que vous ne connaissez pas forcément, mais qui s'appelle Alex Talcon, et qui est mon coach, en fait, qui a été un sportif pendant très longtemps de haut niveau, de boxe anglaise, de karaté, de full contact. Il a, voilà, il a touché à tous les sports de combat, et ensuite, de sa passion, il a fait passionner d'autres jeunes comme moi dès le plus jeune âge. Et après, pour le kickboxing, j'ai été passionnée et j'ai été inspirée par mon autre coach, qui est Pascal Spitter, que Samantha, tu connais, qui a été un champion de kickboxing et de boxe anglaise pendant toute sa carrière, toute sa jeunesse, et qui s'est en fait blessé au championnat d'Europe. Et de cette blessure, il n'a plus jamais pu remettre un pied sur le ring de boxe. Mais pourtant, malgré plusieurs mois à l'hôpital, il a ensuite remis les gants, mais pas pour lui, mais pour les autres, et notamment pour les jeunes issus des quartiers populaires, et cela gratuitement, bénévolement. Et ça, ça m'a énormément inspirée et ça m'inspire encore. Elle est importante, Vanessa, cette question, parce que c'est vrai que vous décrivez des gens qui vous ont inspiré. Et vous verrez que, ce sera peut-être le mot de la fin pour ma part, vous verrez qu'à un moment, vous croiserez des gens dans votre parcours personnel, professionnel, et ces gens vous tendront la main ou vous feront une proposition. Et c'est comme les trains, il y a un moment, vous prendrez le bon train parce que des gens vous embarqueront sur quelque chose. Donc voilà, j'ai pas envie de dire soyez attentifs parce qu'il n'y a pas de stress sur le sujet, mais vous le verrez. À un moment ou à un autre, vous rencontrez des gens qui seront marquants, inspirants par rapport à votre parcours. Là, on parle de sportifs de haut niveau, mais c'est pareil dans une carrière professionnelle. Tout à chacun, moi le premier, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui si je n'avais pas eu 2-3 personnes qui m'ont mis le pied à l'étrier, qui m'ont dit « vas-y, je crois en toi et fonce ». Ça, ça vous arrivera. Alors, on n'en a pas toujours conscience parce qu'on est encore dans la mécanique des études, éventuellement de temps en temps, parce que qui dit études dit examen, mais vous verrez que dans la suite, les choses se construiront sur la base de tout ce qu'on a pu évoquer pour le moment. Donc je tenais à vous remercier très merci sincèrement. Vous, je suis très fier d'avoir deux championnes du monde à mes côtés. Je remercie nos jeunes étudiants d'avoir été silencieux et patients. Je salue ceux qui étaient au loin sur les RS, les réseaux sociaux. L'heure est venue, si vous avez des petites questions en off à nos deux amis, nous on va basculer sur le deuxième volet de notre après-midi. Merci.